toutes et tous, eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 10 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, eh bien, quand l'habitude devient nature. Ne pas laisser une mauvaise habitude s'installer et prendre le dessus. À la longue, elle risque de devenir un trait de caractère dominant. Ainsi, faut-il éviter de s'emporter à la moindre contrariété et s'efforcer de maîtriser ses nerfs. Ne pas prendre de poids si l'on a tendance à l'embonpoint. Ne pas ressasser ce que l'on a raté pour ne pas devenir aigri. En luttant contre ses penchants négatifs, on évite de se laisser dominer par eux. Ce sont aussi de petites victoires quotidiennes sur soi. Quand l'habitude devient nature. Belle philosophie pour ce vendredi. Et ce vendredi, eh bien, j'ai pigé tempête en vue. Alors encore une fois, n'est-ce pas, les énergies parleront à certains, ne parlera pas à d'autres. Donc, soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vibre hein, avec vous. Et cette carte, eh bien, je l'ai pigée à l'endroit. Il y a des nuages à l'horizon, n'est-ce pas? Il y a une difficulté qui est vraiment potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. Et la difficulté, bien, elle se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. Cette carte, n'est-ce pas? Elle vient vous avertir d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Vous savez, ici elle est à l'endroit. Ça n'aurait pas été la même chanson si cette carte avait été à l'envers. Donc oui, il y a une tempête en vue, mais vous êtes apte à la surmonter. Alors demandez-vous quelles sont vos options. Quelles sont les options à cette tempête? De un, respectez-vous et respectez vos intentions. Deux, affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, n'est-ce pas? Même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Ne l'oubliez jamais. Alors l'affirmation pour aujourd'hui, eh bien, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, mais bien sûr, vous avez des ressources cachées que vous n'avez même pas idée qu'elles existent. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez être fort, confiant, et vous pouvez agir par vous-même. Donc, affirmation, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant, et je peux agir par moi-même. Eh bien voilà, c'est une belle affirmation pour ce jour. Et le message de ton âme pour terminer cette semaine et cette journée est faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme
et d'introspection, eh bien, avant que la tempête n'arrive, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite aussi un excellent week-end. Profitez de votre entourage, profitez de votre famille, riez, c'est bon pour les zygomatiques, soyez en joie, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, l'empathie, etc. Et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Donc, prenez bien soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.